bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Devil May Cry 4. On est de retour au château où tout est décongelé. La dernière fois on s'est battu par la tête de crapaud, mais on a trouvé la Pandora qui peut prendre 666 formes et donc nous donner l'arbalète pas mal du tout à la place de nos petits flingues. Donc là on attaque la mission 16 où il faut renvoyer le conquérant des feux de l'enfer dans son antre. On est pas loin du laboratoire, ça doit être là par là qu'on va le trouver. C'est nous qui avons là. Oh, super. Cool. Donc il n'y avait pas assez d'obstacles. Je m'étonne. L'air est imprégné d'un gaz empoisonné. Échappez-vous avant que votre vie ne soit... Oh non! On va recommencer vite fait. Ah bah c'était limite. Oh le truc à des... Yeah!
Ici, celle de l'épidémoniaque, super. Voilà, on peut passer par là. Ouh, c'est l'air respirable par ici. Ah non, c'est pas respirable, non. Faut qu'on sorte. On va grimper. Et là, on explose tout. Le truc là, je sais pas comment là. Oh, de l'air vicié. Ok, c'est bon. Je suis entré par là. Et par là, il y a des choses. Est-il vivant ou mort? Il dirait que son âme t'aspire dans son corps. Mais si tu veux. Enfin, moi, ce qui m'importe là, c'est que je suis en train de mourir. Là, donc. Que dalle. Oh, des monstres. Je l'entends. Yeah!
Gaz imposé ne parvient pas jusqu'ici. L'air peut être respiré normalement. Oh cool! Heureusement. Zut. Voilà. Saloperie de gaz empoisonné. Oh là là, je me souviens plus. Je me souvenais plus qu'on avait fait tout ça. Je me souviens des salles, mais je me rappelle que quand je les vois. Oh le bazar. Eh oh! En éliminant sa source, la barrière de glace magique a fondu. Il est maintenant possible de quitter le château. Super. Je récupère des petites pierres rouges au passage. Je vais pas racheter des pierres de boules là. Les grosses étoiles, les trucs verts. Ah, on quitte le château! D'accord. Allez, viens. Yeah!
ouais, c'était vite. Toutou. C'est tout. Mais pas plus. Perdre la vie. C'est pas super gay comme quoi quand même. C'est pas vers là. Par là. Le facteur il doit chez des ronds de chapeau là pour venir poster le courrier lui hein. Ah, on va être seulement motivé pour apporter le courrier ici. Ah bah le gros bestiau. Un humain qui se fait passer pour un dieu. Ridicule. Je te le fais pas dire. Quoi? Il t'attend que tu me remarques. Mon manteau est tout carboni. Enfin, fils de ce par là. Je vais manger mes semblables qui ont péri par ton épée. C'est mon cheval. Yeah.
vache. Terminé, tout le monde est senti, surpasse mes aptitudes. Quel déshonneur. Soit tu t'entêtes jusqu'à la mort, soit tu files par la porte avec ta sale tronche. A toi toi. Vas-y, j'ai fait une fois, je suis pas prêt de recommencer. Ouais. Petit morceau. Dommage. Je m'attendais quelque chose de mieux qu'une petite poignée d'étincelle. D'abord je dégaine. Puis je vais lancer. Vieux. Je les angles. Il tenait. Jusqu'à ce que. Avec force. Je les enfonce. À la fin, nous sommes tous satisfaits. You are set free. Et tu es libre. Tu me fends le cœur. Ici, il n'y a pas si grand que ça. Maintenant, on va s'expliquer tous les deux, monsieur le sauveur. Lucifer, un démoniaque pouvant faire apparaître une infinité de lames explosives qui fendent dans l'air. Vous seul appuyez sur Y, placez des épées autour de vous, transposez plusieurs fois, cette attaque sanglante se poursuit sans relâche. Ah ouais, ça marche bien ça. Une belle vue d'ici. Bon, c'est pas tout ça. Je crois qu'il faut pas aller par là parce que c'est par là qu'on va dans la grotte. On va tourner. Voilà. Ben. Les niveaux de top. Pas de vieille. Nouveau record. Que du bonheur. Oh, sauvegarder. Eh, on a fait une mission en plus. Ils sont moins durs que les autres, mais.
On va voir s'il n'y a pas de cinématique. On retourne à Mission 17. Adagio pour cordes. Reprenez possession de Yamato. Ouais, c'est le sabre. Mais pour ça, il faudra attendre la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.